Bonjour, bonjour à la famille, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour, bonjour. Donc vous savez, comme moi, tout ce qu'il faut faire, c'est le partage. Donc essayez de partager pour que nous soyons le plus nombreux possible. Essayez de partager. Vous savez que je fais l'objet en ce moment, je fais l'objet en ce moment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques, de tout ce qu'on peut dire dans le combat et tout. Mais sachez une seule chose, le prof reste debout. Le prof reste debout, le prof reste devant. Et le prof se bat pour une seule chose, le chassement dans notre pays. Oh oui, le chassement. Comme plusieurs personnes qui sont engagées comme moi dans ce combat, notre rêve, c'est de pouvoir vivre dans un état de paix et de justice. C'est notre rêve à tous. Donc ne tenez pas en compte tout ce qui est en train de se dire ou en train de se parler en ce moment, me concernant. Donc sachez que cela ne m'égratigne pas. Donc ne soyez pas là, je n'appelle personne à venir peut-être au secours. En disant que ouais, peut-être le prof est blessé, le prof a un problème, le prof est ceci. Comme certains peuvent dire que le prof est fatigué. Dans un combat comme le nôtre, la fatigue n'est pas permise. Il dit bien la fatigue n'est pas permise. Donc chacun doit être capable de se ressourcer. C'est comme un athlète. Nous sommes dans un combat comme les athlètes. Les athlètes, bonsoir, 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 Laurie, bonsoir. Les athlètes, bonsoir, Linda. Les athlètes sont des personnes qui font une course de 100 mètres aujourd'hui et le lendemain, ils sont en forme. Parce que c'est un peu l'état d'esprit, donc c'est naturel. Donc ils ont été créés comme ça par Dieu, si on peut dire cela. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc sachez que le prof reste debout et le prof reste fort. Que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, le prof est prêt à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, le prof est prêt. Donc, si on me dit même tout de suite là que Paul Biya est à Paris, à Lyon, n'importe où, vous allez voir, le prof sera présent. Donc, le prof est prêt. Surtout, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Oh oui, tu m'attends aux Bahamas. Paul Biya n'est pas aux Bahamas. Attends-moi à Yaoundé. C'est plutôt à Yaoundé que tu m'attends. Parce que je vais te dire. Et ça, c'est une promesse. Et la promesse, c'est une dette. Et je vais la tenir. Je vais la tenir. Le jour où le peuple camerounais sera prêt, le jour où nous allons réussir à mobiliser le peuple, je serai présent à Yaoundé. Donc je ne le dis pas tout simplement pour le dire, je serai là. Quels qu'en soient les voies et moyens que je prendrai pour arriver, je serai là. Donc vous pouvez prendre cela à crédit et le noter quelque part. Je serai là. Je serai là, je vous le dis encore, je serai là. Donc quel qu'en soit ce qui va se passer, je serai là. Mais aujourd'hui, je ne viens pas en direct pour répondre à toutes ces attaques, à toutes ces insultes et tout, ça ne m'intéresse pas. C'est pour cela que j'ai dit, je ne ferai pas un direct pour répondre. Par respect pour le combat, parce que je sais que nous tous, nous sommes pour le combat. Nous tous, nous sommes pour le chassement. Il peut y avoir des divergences entre nous, mais je ne fais pas partie de ceux-là qui viendra sur la toile parler d'un combattant avec qui ils sont dans le même camp de chassement. Je peux venir parler d'un sardinat, je peux venir parler de quelqu'un qui a trahi le combat, je peux venir parler de tout, mais je ne viendrai jamais en direct parler parce que un combattant, une combattante m'a interpellé ou m'a insulté ou a fait quoi que ce soit. À partir du moment où je sais qu'elle est une combattante ou il est un combattant, je ne viendrai jamais en direct parler de cela. Donc, que ceux qui sont là n'attendent pas que je viendrai parler peut-être des problèmes sur lesquels je suis en train de vivre en ce moment. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je suis quand même un père, un parent d'enfant. Je ne suis pas un yor, comme on le dit. Je ne suis pas un yor. Donc, j'ai quand même dépassé un certain âge, donc ce qui fait que je sais quand même prendre sur moi certaines choses à partir du moment où la personne qui m'insulte ne m'insulte pas comme quoi peut-être j'ai trahi le combat, c'est parce que nous avons peut-être certaines divergences, je comprends et c'est la raison pour laquelle je ne viendrai pas parler de ça. Donc notre direct de cet après-midi concerne uniquement les révolutions pacifiques en Afrique. Je parle bien les révolutions pacifiques en Afrique. Pour que les gens comprennent très bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des manipulations ou de quoi partager en voie de cœur.
Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Donc partagez et surtout envoyez des cœurs. Dans le direct de cet après-midi, comme vous avez vu à l'introduction, j'ai interpellé les t-shirts un jar, un jar. Je dis bien les t-shirts un jar, un jar, qui passent leur temps sur la toile à aboyer. Ils ont vu une vidéo de l'Algérie qui est passée sur France 5 et ils prennent cette vidéo-là pour nous dire que c'est la révolution pacifique, la révolution pacifique. Il faudrait que nous les expliquons parce que comme je vous le dis toujours, certaines personnes parmi eux disent que l'école est bien. L'école n'est pas, l'école est bien, mais ce n'est pas bien pour tout le monde. Il y a ceux qui vont à l'école tout simplement pour avoir des diplômes. Donc, ça veut dire qu'ils vont tricher. Même s'ils ne trichent pas, ils apprennent uniquement le jour où il y a l'examen. C'est-à-dire qu'ils apprennent le jour où il y a l'examen. Ils n'apprennent pas pour comprendre, mais ils apprennent tout simplement le jour où il y a l'examen. Ça veut dire que quand ils passent l'examen, ils sont docteurs, ils sont ceci. Oui, ils ont été docteurs, mais ils n'ont aucune connaissance même de l'école qu'ils sont allés. Parce que si vous les réveillez demain matin et que vous leur parlez de quelque chose, ils ont déjà oublié. Parce que tout ce qu'ils ont appris, c'est tout simplement pour passer l'examen. J'ai eu un professeur de philosophie qui me disait ça, qu'il y a deux types d'élèves. Il y a deux types d'élèves dans une classe. Il y a ceux qui apprennent pour comprendre, même s'ils n'ont pas la moyenne. Ils ont compris, peut-être ils ont fait des erreurs. Ils n'ont pas pu avoir la moyenne. Mais il y a ceux qui apprennent pour passer. Et je pense que la majorité des intellectuels camerounais, pas tous, la majorité des intellectuels camerounais ont appris pour passer. Ça veut dire qu'ils ont appris pour avoir le diplôme, mais ils n'ont pas appris pour avoir la connaissance de ce que le professeur les enseignait à l'école. Peut-être c'est la faute des professeurs. Peut-être c'est leur faute eux-mêmes. Ils n'ont pas eu peut-être les moyens que Paul Biya n'a pas mis en place pour les Camerounais. Ils n'ont pas eu les moyens de faire des recherches. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc ce qui fait que les recherches étaient limitées. Donc, à partir de ce moment, je peux comprendre ces intellectuels. Parce qu'aujourd'hui, ils vont passer le temps à nous dire l'école est bien, l'école est bien, à nous parler un français académique. Pourtant, eux-mêmes ne connaissent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne comprennent même pas le sens des mots qu'ils sont en train d'expliquer. Quand je vois des gens venir nous dire la révolution pacifique, la révolution pacifique, j'aimerais que chacun d'entre vous aille sur YouTube. Allez regarder la révolution en Algérie. Allez regarder la révolution en Égypte. Allez regarder la révolution au Burkina Faso. Allez regarder la révolution au Soudan. Je ne peux citer que ceux-là, mais allez regarder plusieurs révolutions et venez qu'on en discute. À partir de ce moment, je vous dirai que le prof, je ne me dis pas prof tout simplement parce que je veux dire que je suis prof. Je dis que je suis prof parce que j'ai des connaissances concernant la vie. Je dis bien concernant la vie. J'ai la culture de la rue. J'ai la culture de la vie. Donc je parle ce que je connais et je parle ce que je sais. Je n'invente rien du tout. Allez visionner. Je dis bien, allez visionner. Tout ça. Merci, merci Linda. Merci d'envoyer des cœurs. Merci vraiment, merci. Ça me fait plaisir. J'aime des cœurs. Envoyez des cœurs. Parce que vous savez que mes directs sont toujours signalés. Mes directs sont toujours signalés. Donc, envoyez des cœurs et surtout faites des partages parce que c'est important. Je sais, parce que j'ai un de mes enfants du Don Kwata qui m'a expliqué un truc. Que pauvre, sache que ce n'est pas le nombre de vues qui est important ce que tu es en train de parler. Ce n'est pas le nombre de vues. Ce n'est pas le nombre de vues. Mais c'est le message que tu passes. Parce que quand nous sommes à Facebook, quand je suis Camerounais, je fais partie des analystes de Facebook. Par exemple, je dirais des Camerounais sur la toile. Il y a ceux comme toi, tu n'es pas le seul, mais il y a plusieurs personnes comme toi qui font des directs, ils n'ont même pas 50 personnes. Mais après, sur la toile, pendant une semaine, on ne parle que d'eux. Ça veut dire que plusieurs personnes ont suivi ton direct sans s'afficher, donc ce qui fait que le nombre de vues n'a pas augmenté sur le tableau. Mais ils ont suivi ton direct, c'est pour cela que tu fais trembler la toile. Mais pourtant, les gens disent que mais celui-là même, c'est qui? Celui-là même, c'est qui? Comment est-ce qu'on peut commenter? Comment est-ce qu'on peut faire autant de directs pour répondre à quelqu'un qui n'a pas eu 20 vues? Comment est-ce que ça se fait? Il m'a fait comprendre que pour continuer, c'est que les gens te suivent. Les gens te suivent. Donc, ce n'est pas le nombre de vues, mais les gens te suivent. Ils ne veulent pas entrer dans ton direct pour faire en sorte qu'on dise que tu as aussi 2000 vues, tu as aussi 5000 vues comme eux et tout. Et comme toi, tu ne veux pas acheter les vues sur Facebook. Donc, ce qui fait que tu restes dans tes 20 vues, tes 30 vues. Mais ce que tu dis est très pertinent parce que nous avons constaté, d'après toutes les analyses que nous avons faites, que tu fais partie de ceux qu'on parle beaucoup plus sur Facebook. Qu'on parle... Merci, merci Linda, je ne savais même pas. Merci, merci. Je suis de Fraouton. Donc, si tu es d'un consamba, je suis de Fraouton, juste de Jean 23. De ici à Jean 23. Donc, je suis de Fraouton. Voilà donc. Ce qui fait que tous ceux qui arrivent en consamba et qui demandent le têtu, on m'appelait un jour, non, le têtu, à partir de l'église Jean 23.
Celui qui ne me connaît pas, c'est que c'est un yéyé. Demandez qui on a appelé Nana là-bas. Ils vont vous dire. Donc, je ne suis pas quelqu'un. Et même ceux qui ont été avec moi à Ebonne. Allez demander au Mario. On dit que personne ne joue au ballon plus que le gars. Allez demander au Mario. Allez à Manengolin. Allez à Manjo. Allez partout. Alloum, Aloé. Allez partout. On vous dit que non. Ce gars-là, c'était un génie. Ce gars, c'était un génie. Allez partout. Je ne parle pas parce que je me cache. Je n'ai jamais changé mon nom. Mon nom, c'est Colise Nana. Je vous le dis bien, Colise Nana. Après, j'ai des sobriquets. Et j'ai beaucoup de sobriquets. Que si je vous dis, vous serez bien surpris. J'ai beaucoup de sobriquets. Donc, à partir de l'endroit où je passais et tout, les gens me donnaient des sobriquets. Ce n'est même pas moi qui me donnais des sobriquets. Les gens me donnaient des sobriquets. Mais ils me reconnaissent juste sur la toile. Ils disent que non, tu as toujours été têtu. Tu as toujours été têtu. Et même avec ton âge, tu n'as pas changé. Je suis un têtu. Je suis un chef signé. Je suis un chef signé. Je suis un chef signé. On m'a surnommé chef signé depuis quand j'étais petit. Je n'ai même pas 5-6 ans. Je suis un chef signé. Donc tu peux me taper toute une journée. Ne t'inquiète pas, je ne vais jamais me décourager. Tu peux me donner même des bosses partout, je reviendrai toujours. Je suis un chef signé. Je suis un chef signé. Bon, je vous le dis tout simplement que... Oui, Ansi Tintia, c'est plus simple pour toi parce que je préfère que tu ailles dans les grands bidons. Va seulement à Douala, tu vas au gazon, tu demandes un sac Bayemé. C'est encore plus simple. Va au Makia, tu demandes sac Bayemé. C'est plus simple. On va te dire que oui, le gars là, c'était un têtu ici au quartier, le nom. Ça n'avait pas de nom. Va juste à Makia, tu demandes. Parce que c'est encore plus simple. Parce que Makia, les gens connaissent. Le gazon qui est devant le marché central à Douala, les gens connaissent. Donc, va juste là-bas et tu demandes. Les gens vont te dire qui j'étais. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur Facebook et puis on bavarde et tout. Au Cameroun, à Douala et tout, s'il y a un commissariat que je n'ai pas été convoqué là-bas ou je n'ai pas été arrêté, personne ne convoquait même pour que moi t'arrêter. S'il y a une cellule que je n'ai pas fait, je ne pense pas. Dans toutes les cellules, j'ai fait toutes les cellules. Donc ce qui fait que je mets, dans notre combat, ce n'est pas le but. Dans notre combat, ce n'est pas le but. Le but n'est pas de venir dire qu'on a fait des cellules, on a fait ceci, on a fait cela, ça ne sert à rien. Dans notre combat, c'est la détermination. Donc je viens ici aujourd'hui pour tout simplement vous dire que même tout simplement vous dire que ce qu'on dit révolution pacifique, parce que certaines personnes ne comprennent pas. Quand je vous interpelle, quand j'interpelle les t-shirts un genre, d'aller regarder cette vidéo, ils sont en train de publier la vidéo de l'Algérie. Mais j'ai même l'impression qu'ils ne comprennent pas le sens de cette vidéo. Ils ne comprennent pas le sens de cette vidéo qu'eux-mêmes ils sont en train de publier. Ils ne comprennent pas. Quand vous suivez le reportage de France, France 4, quand vous suivez ce reportage concernant la révolution algérienne, vous comprenez une seule chose. Les Algériens, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qui a fait que le peuple s'élève? Bouteflika doit partir. Qu'est-ce qui a fait que le peuple s'élève? Bouteflika doit partir. Qu'est-ce qui a fait que le peuple du Soudan s'élève? Que leur président, comme il s'appelle encore, j'ai même oublié son nom, ou c'est Ben Kila, qui doit partir. Qu'est-ce qui a fait que les Égyptiens s'élèvent? Oui, France 4. Qu'est-ce qui a fait que les Égyptiens s'élèvent? Que Moubarak doit partir. Qu'est-ce qui a fait que les Burkinabés s'élèvent? Que Kampaoré doit partir. Voilà ce qui a fait en sorte que le peuple s'est levé. Vous pensez que dans ces pays-là, il n'y avait pas de leader de l'opposition? Vous pensez que dans tous ces pays, il n'y avait pas de leader de l'opposition? Vous pensez qu'il n'y avait pas? Vous pensiez un seul instant qu'il n'y avait pas? Mais non. Pour faire lever le peuple, on doit faire lever le peuple sur une cause. Sur quelque chose qu'il vit. Pas sur un espoir, mais sur quelque chose qu'il vit. Le Cameroun souffre depuis plus de 40 ans concernant Paul Biya. Et si nous demandons aux Camerounais de se lever pour chasser Paul Biya, les Camerounais vont se lever parce qu'ils sont conscients. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays. Quand on souffre à cause d'une cause, à cause d'une personne, alors, il faut se lever et demander à cette personne de partir. Mais quand je vois les t-shirts un genre, se lever en disant que l'alternance c'est comme tout, l'alternance c'est comme tout. Est-ce que dans un combat de chassement, nous parlons d'alternance? Est-ce que nous parlons d'alternance ou nous parlons du chassement ou du chassement? Est-ce que nous parlons d'alternance? Il faudrait qu'on arrive à amener ces gens-là à comprendre. Parce que c'est eux qui polluent la toile. C'est eux qui embrouillent les Camerounais. C'est eux qui font en sorte que les Camerounais ne se lèvent pas. Parce que dans toutes ces révolutions, même les révolutions que Niamsi lui-même a été même contre, comme au Burkina Faso, il était contre la révolution du Burkina Faso. Mais les Burkinabés sont levés parce qu'ils en avaient marre de Kampaoré.
Ils ne sont pas levés pour un opposant ou pour quelqu'un qui avait gagné une élection ou quoi que ce soit. Non. Ils sont levés parce qu'ils ont compris qu'il était temps de faire partir le dictateur. Mais chez nous, au Cameroun, nous sommes encore là en train de nous embrouiller. Nous sommes là, nous disons que nous voulons tous le départ de Paul Biya. Mais entre-temps, il y a déjà ceux qui sont en train de dire que non, si on enlève Paul Biya, on doit mettre Kamto. Ainsi de suite, mais ça embrouille le peuple. Raison pour laquelle le peuple ne se lève pas. Bonsoir, Tricir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Tu sais que j'étais bloqué. Je n'étais pas caché pour te le dire. J'étais bloqué. J'étais bloqué. Oui, j'étais bloqué. Tout simplement parce que, à un certain moment, je n'aime pas les insultes, les intrigues et tout, j'aime pas. Je préfère que nous échangeons sur des idées. Je préfère que nous échangeons sur des idées, mais pas sur des insultes. J'ai bloqué beaucoup de faux profils, même ceux que je connaissais, je les ai bloqués. Parce qu'à un certain moment, quand tu vois des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas s'exprimer, qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas que vous échangez, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas les répondre, parce que c'est que nous sommes une famille. Nous partageons le même combat. Mais puisque je ne veux pas vous répondre, je préfère ne pas vous lire, je vous bloque. Je vous bloque parce que c'est comme cela que je fais. Je préfère vous bloquer parce que je préfère ne pas venir sur la toile diviser le corps. J'espère que... Envoie des cœurs. Comme je vous l'ai dit toujours, quand je me mets en direct, tout de suite, c'est les signalements, c'est des ceci. Donc, je vais tout simplement vous expliquer. Quand vous allez, par exemple, voir la révolution du Burkina Faso, la révolution de l'Algérie, la révolution qui s'est passée au niveau du Soudan et tout, vous allez comprendre. Je ne le dis pas pour dire que nous ne devons pas aimer Kamto ou supporter le MRC, mais je le dis parce que nous sommes dans une phase du chassement du régime de Paul Biya. Et si nous avons compris que l'essentiel de notre combat, c'est d'abord le chassement, nous devons nous mettre en rang de bataille. Nous devons essayer de nous mettre en rang, de mobiliser le maximum de personnes pour être dans les rues le jour dit, pour demander le chassement du régime. Nous devons être là, chercher de l'amour, chercher de la compassion. En parlant, par exemple, que je suis Kamto, Kamto est monté, Kamto est de cela, on ne peut pas lever le peuple à mon nez. Vu sa diversité culturelle, vu sa diversité, vu le tribalisme qui n'est pas le peuple de Paul Biya, nous ne pouvons pas lever le peuple sur elle. Nous ne pouvons pas. Et ceux qui ont compris ce message, ils sont très peu. Ils essayent de parler, mais ils ne sont pas compris. Ils sont très peu. Ceux qui ont compris le message, ceux qui ont compris ce qu'on appelle une révolution pacifique populaire dans les rues pour chasser un tyran. Ceux qui ont compris, ils sont très peu. Mais ils sont très peu. Et c'est pour cela que je l'ai dit que construire. Je l'ai dit. Mais certaines personnes n'ont pas compris. Pour construire, il faut déconstruire. Déconstruire qui? Déconstruire tous ceux-là qui sont en train de nous distraire dans la révolution. Déconstruire tous ceux qui sont en train de dans la révolution. Les fantômes et tout. Je vais à tout jeu de professeur pour entraîner le professeur Namsi. C'est dans celui-là. De l'amateurisme, parce que j'ai pris le temps et j'ai mûri dans l'expérience. Donc j'ai compris certaines choses que je ne comprenais pas avant. Mais là, ça ne sera pas de la voilà. Soit il appelle le peuple à se lever pour un changement véritable sur la reste avec cet attaque qu'il a de faire au MRC, parce qu'il pense dans le futur il faut jouer avec le MRC en étant les idées. Parce que MRC, il n'est pas du MRC, mais tous, ils sont parce qu'ils n'ont pas, je n'ai aucun problème. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais pour l'instant, nous sommes pour la révolution, nous sommes pour le chien, l'alternance viendra après. Donc, je profite simplement de ce petit direct pour dire à tous ces gens qui sont en train de nous distraire, les t-shirts un janja, d'aller encore réécouter, aller encore réécouter la vidéo que vous êtes en train de partager. Et venez me dire, si dans cette vidéo, vous entendez parler le nom de quelqu'un, vous entendez seulement parler, Bouteflika doit partir. Bouteflika, dégage.
d'autre. En sorte que les Algériens se lèvent. Vous pensez que c'est en Algérie, on avait mis le nom d'un opposant, les Algériens sont les... Non, les Algériens sont pas arrivés. Et je profite pour cela, pour dire, je reviendrai en direct tranquillement, pour bien expliquer. Donc je profite pour cela, pour dire à ceux qui demandent, vous vous êtes levé pour qui? Vous êtes levé pour qui? Moi-même, j'ai eu à dire que je me suis levé pour Kamto. J'ai eu à le dire. Mais à certains moments, quand nous prenons de la... Quand nous sommes comprendre les raisons qu'on fait en tant que on comprend qu'on s'est levé pour une injustice. On s'est levé pour une injustice. Et tous les Camerounais, les combattants de la diaspora, la majorité sont levés pour une injustice. Ils ne sont pas levés pour un homme, mais pour une injustice. Bien sûr que cette injustice-là, derrière, il y avait un homme, mais ils sont levés d'abord pour une injustice parce que plusieurs personnes qui sont levées ne connaissaient même pas le président Kamto. Ils sont levés pour une injustice, ce qu'on a appelé le hold-up électoral. Le hold-up électoral, c'est une injustice. C'est une injustice. Et ce qui a fait en sorte que les Camerounais se retrouvent dans les rues, que les Camerounais soient le plus nombreux possible dans les rues depuis le 22 octobre. Parce que l'injustice était là. L'injustice était là. Et ce n'est qu'une injustice qui peut faire en sorte qu'un peuple se lève. Un peuple non, se lève pour une injustice. Parce que chacun ne peut pas vivre cette injustice à lui-même. Nous avons pu vivre. Concernant l'ordre électoral, le vol de l'élection du 7 octobre 2018 qu'a subi le président Kamto, c'est ce qui nous a révoltés. Ce n'est pas l'homme qui nous a révoltés, mais c'est l'injustice que l'homme a subie qui nous a révoltés. J'ai dit bien, c'est l'injustice que l'homme a subie qui nous a révoltés. Pour ceux qui ont pu me proposer, allez à quoi vous qui devez l'école, moi je suis. De la rue. Allez encore à l'école. Allez encore prendre vos livres, vos anciens livres. Allez encore appeler vos professeurs. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre l'origine même de ce qui a fait en sorte que nous mettons debout, le 24, le 22 octobre 2018, nous avons à Paris, vous pouvez encore aller sur YouTube, il y avait des gens qui étaient pour le PCRN. À l'époque, ce n'était pas PCRN. C'était une partie univers. Il y avait des gens qui étaient pour l'UNDP et pour l'UPC. Il y avait beaucoup de SDF qui étaient. Ils étaient nombreux, mais ils étaient à la rue. Ils étaient dans les rues parce qu'ils étaient là contre l'injustice et non contre une personne. L'injustice électorale, c'est une injustice. Je dis bien, le vote électoral, c'est une injustice. Et c'est la raison pour laquelle les Camerounais se sont levés. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés debout. À demain. C'est la raison pour laquelle nous nous levons pour les prisonniers, pour le Cameroun. C'est ça qui est l'essence même de ce combat. L'injustice que Paul Biya a fait subir aux Camerounais depuis plus de 40 ans. Et c'est la raison qui fait en sorte que nous demandons le départ de Paul Biya au pouvoir. Et nous devons nous concentrer sur le départ de Paul Biya. Nous devons nous concentrer sur le départ de Paul Biya. Comment faire lever le Camerounais? C'est de cela qu'il est question. Nous devons nous concentrer et c'est pour cela que même le président élu lui-même l'a dit. Remettons la balle au centre. Reprenons le jeu. Ouvrons les coups de jeu. Remettons la balle au centre. C'est injustice. Revoyons le code électoral. Arrêtons la guerre au Nozo, que tous les Camerounais puissent voter. Organisons un dialogue inclusif. Et nous verrons. Chacun sera égalitaire devant la loi, devant la justice, devant le code électoral. Et nous verrons qui va gagner. Mais certaines personnes, certains combattants qui se disent combattants, n'ont pas compris le sens des choses. Je prendrai le temps, retour au pays natal, mon frère d'un con, je prendrai le temps. Je sais que nous n'aimons pas l'injustice à Consamba. Nous n'aimons pas l'injustice. Nous n'aimons pas l'injustice. Et c'est pour cela que nous sommes déterminés. Nous n'aimons pas l'injustice. Et quand vous voyez les Bamileke devant, ce n'est pas parce que les Bamileke aiment trop Kamto. C'est parce que les Bamileke font partie des peuples. Ils ne sont pas seuls. Mais ils font partie des peuples qui ont beaucoup subi cette injustice au Cameroun. Depuis la colonisation. Ce n'est pas parce que les gens qui ont dit que les Bamileke aiment Kamto parce que les Bamileke. Mais c'est faux. C'est parce que les Bamileke comprennent
C'est la même chose que les Bamiléki qui avaient soutenu le SDF de Ni John Fundi dans les années 90. Parce qu'ils avaient compris cette injustice-là. Les Bamiléki en général n'aiment pas l'injustice. Nous n'aimons pas l'injustice. Nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs ethnies au Cameroun qui n'aiment pas l'injustice. Il y a plusieurs qui ont toujours été debout. Même les Boulous, même certains Boulous, certains Eondo, certains Bassa, ce n'est pas. Même chez les Bamiléki, il y a des Sardinats. Même chez les Bamiléki, il y a des Sardinats. Même chez les Bamiléki, il y a des Sardinats. Ils sont même très nombreux. Je ferai direct pour vous expliquer pourquoi les Bamiléki sont en train de suivre ces Sardinats. Et la raison, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris que ces Sardinats les manipulent? Mais nous devons, nous tous ensemble, je vous le dis, nous devons nous tous ensemble comprendre que nous battons contre l'injustice. Nous battons pour faire partie du régime de Bobia, de Paul, et installer un régime où la justice sera égalitaire pour tous les Camerounais. C'est ça l'essence même de notre combat. C'est ça l'essence de notre combat. Et à partir du moment où nous allons comprendre, vous allez voir que plusieurs personnes qui sont reculés dans le combat en ce moment, reviendront avec nous. Nous allons former une grande force. Nous allons former un peuple même de la révolution pacifique. Nous allons lever la majorité des enfants du quartier, des enfants du Kwata qui souffrent et qui ont besoin de ce changement. Nous allons lever tout le monde. Je le dis encore, nous allons lever tout le monde. Nous allons lever tout le monde. Et nous allons réussir à faire partir Paul Biya. Nous allons réussir à faire arrêter la guerre au nord et sud-ouest du Cameroun. Nous allons réussir à obtenir ce code électoral de manière consensuelle dont tout le monde aujourd'hui est en train de parler. Nous allons réussir. Mais pour cela, il faut qu'on mette nos égos de côté. Pour cela, il faut que les hommes politiques au Cameroun comprennent que la balle est au centre. Et c'est le peuple qui peut amener ces hommes politiques à comprendre. Parce que c'est le peuple qui porte ces hommes politiques. Un homme politique n'existe que parce qu'il y a le peuple derrière lui. Un homme politique n'existe pas seul. Un homme politique existe parce qu'il y a le peuple derrière lui. Je vous le dis encore. Un homme politique existe parce qu'il y a le peuple derrière lui. Même dans l'urgence de la pensée Uno. Je l'ai lu. Ça ne parle pas d'un homme, mais ça parle d'un peuple qui souffre. Mais je parle de nous, nous qui avons détourné ce combat. Nous, certains parmi nous, qui avons détourné l'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée ne parle pas d'un homme, mais l'urgence de la pensée parle d'un peuple. Ça parle d'un peuple, ça parle du Cameroun, d'un système. Le système de la dictature de Paul Biya. Le système néocolonial installé au Cameroun par la France, ça ne parle pas d'un homme. Oui, je l'ai lu, je sais de quoi je parle. Et c'est pour cela que je le dis. Cela... Des t-shirts un genre qui passe le temps à parler le nom de Kamto. Ils ne connaissent pas l'esprit même qui est animé par cet homme. Je le dis encore et je le répète. Ils ne connaissent pas. Et c'est pour cela que nous prendrons le temps dorénavant à éduquer, à sensibiliser, à mobiliser pour une véritable révolution populaire au 237. Oui, nous pouvons le faire. Je vous l'ai toujours dit, les Camerounais n'ont pas peur. Vous pouvez regarder même tous mes directs. Je n'ai jamais dit que le Camerounais, c'est un peuple amorphe. Non, parce que j'ai compris depuis... Le Camerounais n'a pas peur. Le Camerounais